Eh bien salut les amis, on se retrouve pour une troisième vidéo, toujours la même journée, hein, le 23 avril. Il est quelle heure? 18h23. Il est 18h23. Alors hop, comme je l'avais dit, aujourd'hui je tournerai trois vidéos. Bon, aujourd'hui vidéo un peu plus particulière. Merde, 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 merde. Bon bah fait. C'est ça, attaque-moi deux fois. Foiré de chien. Cloche de prêtre, merci. On va pas invoquer quelqu'un, ça sert à rien. Paix froide, la lune. Bon, je rejoins pas ton serment de merde. On va juste faire en sorte que les gens viennent et puis on va les exterminer les uns après les autres. Mais d'abord, on va nettoyer un peu cette tour. Donc, un peu de PVP. Donc, c'est du PVP, bon... c'est peut-être pas ce que vous aurez voulu, mais c'est l'envahissement. Voilà. Donc, eux, ils sont hostiles hein, quand je me fais envahir, donc. Faisons gaffe. À moins que je rejoigne le serment et que j'attends qu'on m'invoque, mais... Voilà. Bon, là-bas, on a le boss des gargouilles. Fameux boss horrible du jeu. Je sais pas si on va devoir attendre très longtemps pour avoir un adversaire ou pas, en fait, ici. Je vais quand même parler au monsieur au tout début et... cache dans cette zone. S'il y a des gens qui veulent essayer de m'affronter, qu'ils essayent. Encens de la thé. En fait, ils doivent m'empêcher d'aller actionner la cloche, enfin, pour avoir accès au boss, quoi, finalement. Toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, quelqu'un qui arrive. Ok. Y a quelqu'un qui arrive, regardez, il y a un brouillard qui s'est installé. Je sais exactement où est-ce qu'il va apparaître, on va aller l'accueillir comme il se doit. Petite gemme quand même, au cas où. Je sais que c'est trois fois rien en vie, mais... la stéatite, pardon, ne fonctionne plus. Un envahisseur sur le point d'arriver. Hungry Hollow. Très bien, Hungry Hollow. Prépare-toi. Ok, bon. Un ambidextre, ça va être cool. Oh putain, pyromancie. Oh, alors, impressionné, hein. Bon, pour l'instant, je fais que me protéger. On va peut-être attaquer. Tu t'attendais pas à ça, je présume. Non. Ouh. Ouh. Putain, de bonnes esquives. Oh non. Oh merde! Oh fuck that shit! Oh non, 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 non! Oh! Ces flammes! Ces toutes puissantes flammes! Putain, j'arrive pas à la voir! Esprit gris vous envahit, merde! Merde! Ah, mais non, mais non! Mais vas-y, je me soigne! Putain! Bon bah là, je suis mort! Finalement, peut-être être envahisseur, c'est une meilleure occasion. Oh, fais chier. Fais chier, fais chier. Allez, stratégie de merde. Voilà, comme ça, tu mets 2 heures. Aïe. Oh, alors ça, c'est dégueulasse, hein. Voilà, ta magie, tu te la gardes. Sérieusement, il va faire que ces trucs de magie. Putain, j'arrive pas à la voir. Putain, gonfle. Bon, potion. Ça va, vous êtes deux à m'envahir alors, hein. Ah, il essaie de me faire le fameux coup avec R1. Oh, mais t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Oh, putain. Putain, mais t'as de l'endurance à revendre, toi. Allez, viens te battre, te dis-je. Et... Oh, le putain. Le coup qui est pas passé. Oh, oui. Ah, oh, ah, oh. Eh oui, eh oui. Alors, eux, ils peuvent faire une roulade juste après un coup, mais moi, je peux pas. Hein. Ça va, c'est pas trop dégueulasse comme technique. C'est pas... Ça va, c'est cool. Bon, on s'en maintient là. Voilà.
Ah bah. Non mais. Ah. Ah. Oh putain, enculé. Fils de pute. Oh là là, je te jure. Ça c'est dégueulasse, putain. Ah. Bon, tant pis. C'est pas grave. Au moins l'autre il m'aura pas attaqué. Alors je sais pas pourquoi. Mais au moins il ne m'aura pas attaqué. Rien que pour ça, merci. Voilà. Bah quand ils sont deux à vous envahir, généralement ils sont tous les deux sur vous. Je sais pas pourquoi il m'a pas attaqué. Tant mieux, hein, remarque, mais là, l'autre éclair. Éclair, c'est trop dur. Ces éclairs-là qui font énormément de dégâts, c'est pour ça que... Je vous assure, ça fait plein de dégâts. J'avais beau me protéger, ça m'enlève encore plein de vie, bon. C'est... Non, mais là, de toute façon, je pouvais rien faire. J'avoue que je me suis mis en position de vulnérabilité en allant là-dessus. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va essayer de se faire envahir par d'autres gens. Où est-ce que c'est, où c'est que c'est cette merde? Ah, c'est là. Donc en tout cas, petite vidéo hors série. Vraiment. Peut-être que ça... Apparemment, ça... Ça vous donnait envie de me voir un peu en PVP, donc bah, je vous l'offre. Bon, on va essayer de retuer les petits mobs qu'il y a là-bas. Moi, je veux des combats ultra fair-play, en fait. Je veux pas... Parce que des fois ça m'est arrivé, là vous savez, vous pouvez me dire hey, mais tu peux invoquer quelqu'un pour t'aider. Je trouve ça un peu dégueulasse de 1. Et de 2, quand j'envahis, c'est vrai que c'est souvent le cas hein. J'arrive dans la zone, je me dis ah, je t'envahis. Et en fait ils sont deux à m'attendre comme des connards. Putain. Ah bon, après j'ai une certaine éthique hein, je veux dire bon, je veux bien boire 40 potions pendant le combat vu qu'ils sont deux. Des fois ça m'arrive, je ne bois aucune potion pendant le combat parce que c'est un vrai 1 contre 1, très équilibré et tout. Et au final, bah en fait j'aurais pu la boire parce que après le mec il en a marre, il sort sa magie et one shot, mais c'est... Allez, y'a plus qu'à attendre que... Y'a plus qu'à attendre. C'est vrai que là, avant je me repérais en fait en fonction de ce brouillard là, mais là vu que j'ai pas encore tué les gargouilles, bon, je vais retourner au tout début. Et voir quand quelqu'un m'envahira. Je vais bien m'envahir, ouais, parce que... Bon en tout cas y'a du monde, hein. Y'a du monde, y'a eu deux personnes dans le même truc. Ça va toi, tu... C'est bien, tu... De toute façon, ça m'empêche pas de pas être envahi, hein, le fait d'avoir sa bague et son serment, hein, c'est... Ah. Eh ben, c'est cool, on attend pas trop, là, c'est bien. Allez, ils sont invoqués par là-haut. Généralement, ils sont au deuxième étage. Ah, on va enlever ça. J'ai pas vraiment envie de me faire avoir, hein, par une explosion non prévue. Qu'est-ce qu'on se fait chier quand on attend? Je sais pas pourquoi je sens venir le coup de échec de l'invasion. Ah. Oh putain la moonlight! Attention, ça pue le cheat! Ça pue le cheat! Il va arriver, il va arriver. Oh! Eh bien, je te salue! Ah, quelqu'un de respectable! Très bien, très bien. Hop! Putain, il fait 10 fois plus de dégâts que moi! Oh! Putain, pourquoi j'aime pas cette épée de merde? Allez! Allez la magie! Wouhou! Yeah! Trop bien! Oh! Oh, ça fait mal, hein! Tiens, tombe! Père de la vie! T'inquiète pas, je ne me soignerai pas. Tu es un adversaire honorable, malgré que tu aies une Moonlight qui est un peu puissante, mais ça va, je crois qu'elle a été débuffée. Oh putain. Non, non, t'es sérieux, là? Oh! Oh, sauvé par la marche! Oh putain! Wouhou! Youhou! Yahou! Yes! Taste the booyah, Zashi! Quoi?
Putain, mais oh, j'ai pas le temps de... Non, 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 oh. Ça va, ouais. Oh, mais oh. Putain, mais j'ai pas le temps de me remettre d'un combat qui m'en remette un autre. Sérieusement, quoi. Putain. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Un ambidextre en plus. Oh, 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 merde, merde, non. Ah, bah voilà, il m'a fait un front stab. C'est, oui, bon, bah voilà. C'est de ma faute, mais non, mais oh, mais... J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon, ça va. Parce que des fois, non, honnêtement, respectable aussi, lui. Honnêtement, bah, l'autre aussi, finalement. Tous ceux que j'ai affrontés, pour l'instant, sont respectables. C'est juste que c'est moi qui ai fait le con à la fin. J'étais un peu énervé de l'éclair, mais... qu'est-ce que je veux dire? Des fois, ça arrive. Le type, il arrive avec sa magie. Il te la spam jusqu'à ce que t'aies plus d'endurance. Et après, il continue de te spammer. Il te détruit. Des fois, il te one-shot. Et en général, c'est du two-shot quand même. On a un petit peu de défense, hein, mais... voilà, et après il est en mode l'emote, attendez je vais vous la montrer. L'emote pour moi la plus pute pour un mec qui te défonce à la magie, c'est, alors le temps que le chargement se fasse, hein, bien sûr. Ah, l'emote la plus pute c'est, je crois que c'est celle-là, permettez. Voilà. Les types ils sont en mode oh je me la pète, je t'ai tué. Ouais, génial. Non, autant le mec avec la moonlight, je l'ai mal vu. Et c'était un mage, ça va, prévisible. Non, pas trop, trop dur. Je dis pas que les mages sont impossibles à battre, hein. Non, non, attention. 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 Je déteste les mages dans ce jeu parce qu'ils sont cheatés, tout simplement. La magie a été débuffée, il me semble. Mais je suis désolé, ça fait toujours beaucoup de dégâts. Hein. Après, je dis pas, faut pas que les mages soient dénigrés. C'est bien qu'ils fassent beaucoup de dégâts et tout, selon certains sorts. Mais je sais pas, il y a des sorts abordables dès le début qui font très très mal. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est vrai que je peux pas leur faire de backstab. Donc ouais, il m'a fait un front stab l'autre. Au moins, vous saurez ce que c'est. Mais j'ai du mal à faire ce coup-là, en fait. Parce que vu que je suis toujours en train de bouger comme ça, c'est pas facile, en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Bon. En tout cas, hop, je peux récupérer ça. Aouh! Putain, j'avais oublié qu'ils avaient des explosifs, ces nains de merde. Oh, les nains de jardin, là. Venez me voir. Putain. Allez, faut boire de la soupe un peu, hein. Tiens. Hop. Viens, viens, viens. Bim! Oh, merde. Non, non, non. Bouillard. Avant que je me fasse envahir, la petite potion qui fait plaisir. Bon. Oh mais c'est n'importe quoi, j'ai même pas le temps de me remettre du truc. Allez, vous êtes envahis. Bon, toujours pas d'envahisseur pour l'instant. Peut-être encore attendre quelques minutes. Ah, enfin. Après bien 2 minutes d'attente, voilà, le prochain adversaire a Taste de Bowia. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont Taste, mais... ça va venir, ça va venir. Non, mais l'autre, là, le dernier, je suis désolé, je venais de sortir d'un combat, j'avais plus aucune vie, forcément, bon. Pour moi, un duel, c'est full life minimum, quoi. Au moins ça. Après, je m'en fiche, mais... Allez, sors de ton trou. Putain, mais n'empêche, j'ai la putain de classe, je suis désolé de le dire, je suis désolé, j'ai la classe. J'adore cet équipement. Tiens, moi aussi, je te bute. Ouais, c'est ça. On se bat avec les fantômes, des fois c'est cool. Alors en fait certains, pendant qu'ils se font invoquer, imaginons là, moi je lance une tempête du chaos. Là maintenant, comme ça le type, pendant qu'il arrive, il prendra, enfin, au moment où il se fait invoquer, donc pendant l'animation, je lance ma tempête du chaos. Et comme ça, dès qu'il apparaît, bah il se prend des dégâts. C'est génial. Il y a des anti-joueurs comme ça. Moi une fois, je suis arrivé, je salue le type en face. J'étais le premier, d'habitude je le fais, et depuis je le fais plus, hein, d'ailleurs. Je salue le mec en face. Lui, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers moi, il se met derrière moi, backstab! J'étais là, mais what? Putain, mais oh, politesse, gars. Bon, bah, apparemment, le type ne veut pas venir. Ah! Hungry Hollow est de retour! Très bien. Prépare-toi. Prépare-toi, Hungry Hollow! Oh! On est tous les deux touchés. Oh! Ouh! Oh! Mais putain!
future roulade. Hop. Putain, mais c'est pas vrai. Oh oui. Oh oui. T'aimes ça, hein? Oh. Oh non. Aou. Eh, ça fait mal, ça pique, ça. Oh merde. Oh putain, il me revient dessus. Il me revient dessus. Alors, qu'est-ce que tu en dis de mon endurance, hein? Plutôt pas mal. Oh putain, il a encore esquive. Putain, il essaie de m'avoir à l'arc, ce con. Arc électrique. Aïe. Oh merde. Oh oui. Envahisseur banni. Un griolo, ce fut un très beau combat. Mais tu auras taste. The Booyah. Et de deux victimes. Deux victimes. Je me suis vengé en plus contre lui, c'est très bien. Boire vite une potion avant qu'il y ait un autre gars qui arrive. Ah putain. Et bouffer une gemme de vie. Histoire de... Bon. Je ne sais pas si je vais me refaire envahir dans la seconde. Je vais regarder par rapport à en bas encore une fois. Putain, ça m'énerve vivement que je botte. J'aurais bien aimé battre ce boss. C'est un repère plus simple. Ouais, non. Pour l'instant, personne. Eh bien, attendons. Attendons encore un peu. Et un nouvel esprit malin nous a rejoint. Je le salue. Bon, il en a rien à foutre. Il veut pas me saluer. Voilà. Ah, ce que c'est de ne pas saluer. Oh bah oui. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Mais bien. Mais bien les backstab là. Non mais n'importe quoi. Voilà. Ah. Ril Kuja, tu es fini. Taste the Booyah. Bon, d'accord, non mais d'accord, le backstab. Le. Non mais vous voyez les lags que je veux dire. Backstab de nulle part. N'importe quoi. Sinon, c'est une bonne situation, ça, gardien de cloche. Enfin, votre espérance de vie laisse clairement à désirer, mais à part ça, je veux dire, bon, ça se passe plutôt bien. Vous voyez le tonneau? Et vous le voyez plus. Vous voyez le tonneau? Vous le voyez plus. Tu vois le tonneau? Tu le vois plus. On voit? On voit plus. On voit? On voit plus. On voit? On voit plus. Et enfin, le brouillard se lève. Le brouillard se relève. Oui, les amis. Il est l'heure du baston. Du combat. La baston. Bon. Bah parfait. On va pouvoir aller défoncer un peu le prochain mec. Bah, j'espère, putain. J'espère qu'il n'y aura pas encore des lags en ligne. En fait, les lags, il faut choisir dans les options région, je sais pas quoi. Mais j'ai peur que si je le fais, j'ai trois fois moins de joueurs après en face, donc... Des fois, je préfère... Enfin, ça dérange un peu, c'est sûr, ça fait bien chier, mais bon... Des fois, il y a des lags, c'est pas très dérangeant, enfin... Ça fait chier, mais ça va, je veux dire... Là, ouais, le front stab, enfin, le backstab, alors qu'il est devant moi, c'est dégueulasse. Mais des fois, j'ai déjà eu des mecs... un petit lag très léger, mais ça passe. Du genre, je suis assez loin de son épée, mais vu que j'ai fait un mouvement avant ou après, enfin bref, il s'est passé un truc, il y a eu un décalage entre nous deux, et ça a compté comme si j'avais été touché, alors que normalement, j'aurais pas dû. Enfin, de mon écran, je n'étais pas touché, quoi. Donc, ça... Enfin, ça va, quoi, je veux dire. Bon, ça, c'est gentil. C'est pas très méchant. Oh, le bouclier du défenseur. Moi, Raven 2800, futur roi. Je te défie. En duel. Montre-toi. Allez, montre-toi, sac à merde. Putain. On va voir qui est le meilleur de nous deux. Montre-toi. En tout cas, Ril Kuja était presque respectable. Il m'a pas fait 10 mots, mais au moins il m'a pas attaqué pendant le truc. Putain. Allez, il n'y a plus qu'à attendre encore, putain. Ah, l'esprit gris de l'Arboy. Écoute. Je mange pas le lard, mais. J'aime pas trop ça. Plein de gras. Eh bien. Oh, bien.
Oh ! Ouh, cette attaque ! Je la connais, cette épée, je l'ai forgée, moi aussi. Grâce à l'âme du dragon ancien ! À quoi, j'allais pas partir sans une récompense, hein ? Oh, l'âme du dragon ancien, elle aide. Ah, un seul de feu. En plus, ça a été nerf, je crois. Ah, oh. Putain, mais il a encore le bouclier de merde du tout début, lui. LOL. Qu'est-ce qu'il lui trouve, ce bouclier? Ah, merde. Oh, baby, don't hurt me. No more. Ah, putain. Ah. Ah. Mais non. Ah. Ah. Putain, vite. Mais non. Mais va te faire enculer. Mais putain. Penny Hens, quoi. Mais non. Putain. Mais je peux pas avoir les deux. Oh, fais chier. Je voulais utiliser un sort de pyromancie, mais ah, j'ai pas eu le temps. Putain. Franchement, je l'avais gagné, ce combat. Je l'avais vraiment gagné, quoi. Fais chier. Putain. J'ai pas eu le temps d'activer mon sort de pyromancie de feu qui aurait été utile dans l'escalier, là. Putain, ça les aurait empêchés de passer, tiens. Ah, fais chier. Non, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Le prochain sort que je mettrai, ce serait dans quand j'aurai ma deuxième case de sort. Ce sera... comment ça s'appelle ? Un sort, en fait, qui permet de se régénérer. En fait, c'est une espèce de petite orbe. Vous vous mettez à côté et hop, ça vous soigne. C'est ça, au moins, c'est nickel, c'est cool. Voilà. Je me demande si le chien, il vient me faire chier, là. Non, on dirait pas. Ah, mais le chudet, quoi. Le type, il s'est vraiment acharné comme un bâtard. Putain. Bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. En tout cas, cette vidéo sera un peu plus... Putain. Un peu plus courte que les autres, du fait que... Putain. Voilà. Non, mais putain, mais tu le fais exprès de te mettre à côté de ça. C'est explosif, putain. J'ai oublié de tuer celui du premier étage. Donc ouais, cette vidéo sera un peu plus courte, je pense, du fait que... faut que les gens viennent en PVP, donc... vu qu'il y aura beaucoup de coupures dans cette vidéo, je veux dire, si en une heure de capture, j'arrive à avoir une demi-heure de vidéo, je serais déjà très content. Parce que bon, après, moi, je... Enfin, après, il faut que j'aille manger aussi, hein. J'ai faim, moi, hein. Il est 18h54. Donc je tourne encore, je pense, une petite demi-heure ou une grosse demi-heure, enfin ouais, jusqu'à 7h30. Après moi je go manger parce que putain j'ai la dalle. Après, bah attendez, hey, je tourne depuis 16h à peu près. Depuis 16h je tourne, putain. Oh. Ah, ça creuse hein, de faire des vidéos, bordel, faut pas croire, hein. Ça donne faim. Bon. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres valeureux adversaires. Oh mais là je suis deck, le type je l'avais. Je l'avais, faut mes clôtres, il arrive, et voilà. Putain. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne. Ah putain, je te jure. Ah, si, putain, au moment où je me plains. Bon. Non, mais moi, ce que je veux, c'est au moins même les enchaîner. Au pire, allez, c'est à moi de pas faire d'emote, je me prépare, je me rebois tout de suite une potion derrière. Et là, je suis désolé, quoi, merde. Bon, une autre gemme de vie, hein, de toute façon. Hop, on s'en fout, on n'est pas à ça près, on en gagne tellement. Très bien. Se remettre là, en position près de la tâche de sang, ça annonce du lourd. Montre-toi! C'est l'heure du duel! Allez, montre-toi! Regarde ce valeureux guerrier qui ramène 2800, avec son beau masque. Capitaine Ventosa, qui n'est absolument pas là. Ouh, tu es là. Ok, bon, ça commence bien. Je sens que je vais pas l'aimer, ce gars. Ah. Putain, mais je perds le lock. Bizarre. Hop. Allez. Ta magie de merde. Tu te la gardes, hein. Putain, t'es une femme à jouer à la magie, c'est ça? Ouais, putain. Oh. Pyro. Putain. Sort de pyromancie.
peuvent rien. Voilà. Ah merde, je suis trompé de... Putain, ça fait très très mal. Hop. Allez, tu meurs. Voilà. Captain Ventosa aura taste the booyah. Et moi je suis arrivé ici en plus, c'est cool. Bon. Allez. Putain, c'est marrant, on gagne rien. On sort de la thé. C'est vraiment cool ça de rien gagner. Merci les gars, merci. Ça récompense tellement tous mes efforts. Bon, on va reboire une potion derrière. Hein. Putain, la pyromancie, oh, waouh. Très chiant. Très très relou. Bien ma foi. Espérons que j'ai un autre adversaire qui arrive juste après. Eh ben très bien, on me redit qu'apparemment il y a un nouvel ennemi. Putain, il y a même un esprit sombre. Non mais ça va, je vais pas non plus invoquer un esprit sombre, hein. Vous êtes gentils les filles. Oh. J'aimerais bien l'invoquer, j'avoue, mais bon, pas tout de suite, surtout que... Enfin, pas ici surtout, putain, les gens ils sont malades des esprits sombres ici. Bon allez, c'est la fête. Allez, putain, déjà que je peux me faire envahir par deux mecs en même temps, alors en plus l'esprit sombre... Enfin, normalement on peut pas être plus de 3 je crois dans une game, hein, mais... Sait-on jamais. Je me mets à une distance réglementaire. Et franchement, mais... Un cosplay juste avec ce masque, mais putain. Enfin bon, ça va pas être pratique pour regarder. Hein. Salut, je m'appelle Raven. Et puis surtout les armures comme ça, c'est chiant à porter, ça doit te donner putain de chaud. J'aime pas les épaules, franchement, sur cette armure. Putain, le truc, il a le nez contre le bouclier. Putain. Et bah finalement, j'invoque un esprit sombre. Voilà, puisqu'il y a personne pour venir m'affronter dans un duel d'hommes. Putain, je prends un énorme risque, hein. Là, je... Concrètement, là, le risque est énorme, hein. Plus j'ai 135 000 âmes sur le tapis. Comment ça fait ? Comment ça fait ? Bon. Putain, mais ils arrivent plus à venir me voir ou quoi, les gens, là ? Ça y est, ma co internet est foutue. C'est que ce bordel. J'essaie d'invoquer des gens, mais ils viennent pas. Ah ! Esprit gris ? Ah, merde, il y a un esprit sombre qui est censé arriver. Oh, putain, un magicien. Oh, putain, les mages ! Oh, putain, t'as aucune défense, toi. Ah, oh. Regardez ça! Un tir! Un putain de tir! Deux tirs et je suis mort! C'est pas cheaté! Mais non! Mais non! Ah putain, c'est pas cheaté! Que dalle! Que dalle, c'est pas cheaté un mage! Où est-ce que vous avez vu que c'était cheaté un mage? J'ai jamais vu que c'était cheaté moi un mage! Voyons, c'est tout à fait normal de tout shoter! Alors qu'aucun guerrier ne peut tout shoter, hein, mais tout va bien, non, non, voyons! Voyons, 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 quand même! Quand même! Surtout qu'on dit un guerrier full cac, ça peut one shot tout shoter. Moyennement vrai, hein, parce que vu la lenteur des attaques, généralement, t'as le temps de le voir venir. Alors que là, fini. Ok, bon, au moins vous aurez pu voir ce que c'est un connard de mage. Mais putain, en plus je lui ai fait le premier coup, mais j'ai fait le premier sang, mais merde. J'ai fait couler le sang premier. Attends, j'ai 135 000 âmes sur le tapis, allez chercher. Il y a le toutou qui va m'emmerder. Bonjour. Putain, vite, avant qu'il y ait un esprit qui arrive et qui essaie de me retuer. Il faut absolument que je récupère ma tache de sang, parce que 135 000 âmes, ça commence à faire. Hop. En fait, ça me fait un poil chier de les perdre, mais pas plus que ça, mais surtout que j'ai envie de monter mes levels, en fait. On va sortir la pyromancie, ça va pas nous faire chier. Bon, allez, attaquer. Préparez-vous à la tempête du siècle. Oh putain, comment il a sauté. Ouh. Alors, on est préparé. On est préparé son petit calbut. Son calbut de nain. Attention, ça va exploser à côté. Ah, même pas, ça a pas touché les bidons. Ah, je suis un peu déçu. Voilà. Voilà, terminé. Finish. End. Petite gemme de vie.
Bon bah j'ai récupéré mes âmes, j'ai tout récupéré. Il ne me reste plus qu'à attendre mon prochain adversaire. Ah, un autre défi m'a été lancé. Pitié, pas un magicien. Pas un mage de merde, un connard. Une fois j'avais vu un mec sur le forum, il disait « Ah moi je suis pas mage, je fais que des maléfices. Je vais sur YouTube, je vois un maléfice qui one-shotait tout ce qui passait en PVP. » Alors depuis il a dû être nerf, hein. Depuis il a dû être baissé. Mais même le mec, il s'est dans sa vidéo, il était là. Enfin, si vous voulez, il y avait une petite musique, genre toute marrante, si lololol. Puis tu le voyais, il faisait son maléfice, one shot, et il tuait tout le monde. Rilkuja, encore! You again! Tu veux ta revanche sur tout à l'heure, hein? Hop! Putain, ça se comprend. Ça se comprend que tu es énervé. Je t'ai humilié. Ça se comprend. Putain, avec sa hallebarde, il peut m'avoir de très très loin. Ah, allez, on enchaîne. On l'enchaîne. Ouh. Bim. Taste. The Booyah Rilkuja. Encore une fois, tu seras vaincu. Retourne dans ton monde. N'a pas lieu ici. Pas lieu d'être. Je t'ai vaincu deux fois. C'est terminé. Et là, il n'y a pas eu de lag. Très bien. Pas parfait. Bon, 159 000 âmes. Cool. Ça monte bien. En même temps, ce petit anneau magique là que j'ai envie d'embrasser va être plutôt bien. Ouais, ouais, je m'échauffe. Hein. Oh, petite foulée. Dans les escaliers. Voilà, histoire de faire circuler le sang et tout. Hein, pas être. Non, non, faut pas rester statique en fait. Attention, esprit sombre. Hop là, petite roulade, histoire de... Oh putain. Kev 00186. Oh bordel de dieu, un Kevin magicien. Eh putain, j'aurais tout vu. Ah non, j'ai cru que t'étais magicien, autant pour moi. Tu as une espèce de marteau. Oh, il est très puissant ce marteau en plus. Je sais même pas comment t'as fait pour me choper. Alors, dégoûté que j'ai tout contré. Dégoûté. Oh merde. Lightning Spear! Ah, tiens, quand je disais que c'était un magicien, je me trompais pas. Tu vas payer! Ouh, ça fait mal, hein. Tiens! Envahisseur banni! Putain, je reviens pas que j'ai gagné, quoi. Taste the Booyah! Kev 00186, tu es mort. Tu es fini. Je bois ma popo et j'attends l'adversaire suivant. Kefka. Kefka 666. What the fuck. Oh putain, il a du poison. Tu es coincé. Oh. Ouh. Ouh. Putain, il fait trop mal avec son katana de merde. Oh. Putain. Oh. Je pense avoir une allonge, hein, suffisante. Oh non. Ah, il m'a eu. Bien joué, bien joué. Ah, fuck. Et il n'a pas utilisé son bâton de mage. Rien que pour ça. Merci. Merci, merci. Il n'a pas utilisé son bâton de mage, c'est très bien. Ah, putain. Bon, on va récupérer notre âme maintenant. Ah, merde. Ah. Hightech 111. Je te salue, Hightech 111. Prépare-toi à livrer bataille. Il pense pouvoir me vaincre. Ah putain, là, ça commence mal, c'est tout. Putain. Ouais, alors par contre, ton putain de bouclier, voilà, va céder. Je vais t'acculer d'attaque. Ah, je croyais qu'il était tombé. Putain, alors là... Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Putain... Ah, tu sors enfin une épée! Enfin, tu me prouves que t'as des burnes! Alors... Bim! Oh, bim, envahisseur banni! Taste the Booyah, Hightech 111!
Oh yeah! Putain, c'est beau ça. Santos Bastian. Putain, c'est que ce pseudo. Oh, allez! Wouhou! De la magie! De la magie! Ah oui, de la magie, de la magie! Sais-tu que j'ai horreur de ça, la magie? Wouhou! Ah! Hop. Tu penses que je vais te laisser le temps de caster ton sort là? Oh merde! What? Ma quasi one shot! Bah, va te faire foutre! Voilà! Tu utilises tes maléfices contre moi? Allez, c'est bon. Putain, mais il a bien de la... Non, mais oh, t'es sérieux? Ah, tiens! T'as pas pu lancer ton sort, pas assez tendu! Alors, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, 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 putain, c'est quoi ça? Ouah, bah oui, d'accord, ça m'a touché. Mais bien sûr, mon gars. Bien sûr. Putain, il faudrait que j'arrive à faire le coup avec R1. Oh, putain, je suis... Oh, putain, même pas! Wouhou! Ah, merde. Ah. Sérieux, mec? Gloops. Rien à battre. Wow. Alors, j'esquive et ça t'énerve? Putain, non, mais n'importe quoi! Quand ça m'a touché? Oh putain. Allez! Putain. Bim! Ah, mais c'est pas vrai! Tiens! Putain, mais sérieux, mais t'es encore assez dendu, toi? Moi, ça me va, hein, je rebois encore une potion. T'as qu'à pas utiliser des maléfices, j'utiliserai pas de potion, mon gars. Hein. C'est comme ça que ça se passe avec Raven. Oh oui! Non! Presque! Ah! Ouh! Là, il va me spammer! Là, il est en danger, là. Là, il le sait. Allez! Meurs! Putain, je rebois une potion, allez à la tienne mon gars. À la tienne. Ah putain. Il va aller caster de la... foutre de la magie, voilà, pour se soigner. Non, même pas. Wouhou. Youhou. D'accord, comment tu me touches? Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Hop là! Oh bah il sort banni! Taste de bouilla! Ah, j'ai endormi sa confiance! Oh putain, j'ai endormi sa confiance et je l'ai achevé! J'adore ce coup! Quand tu cours... Oh, j'avais trop envie d'en tuer un comme ça en plus! Oh, génial! Gloops! 237 000 âmes! Allez! À qui le tour? Oh, génial! Putain! Oh putain, génial. Mais il est l'heure d'y aller les amis. Il est l'heure. Alors à moins que quelqu'un m'envoie cela juste maintenant. Je crois que c'est terminé pour le PVP. Malheureusement. Ah putain, encore un challenger. Bon, bah ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, un dernier challenger. Et après ce sera la fin de cette vidéo les amis. Putain, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite session de PVP. Bon, j'ai pas beaucoup gagné, qu'est-ce que jamais, mais... Bon voilà, au moins vous voyez que même contre les magiciens c'est possible de gagner ou... Enfin là c'était plus, pas tellement de la magie là, moi j'appelle ça des maléfices. Quand c'est de la magie des ténèbres et tout, c'est des maléfices. Mais ah, c'est possible de gagner, mais ouah ça lance, c'était quoi ça, une espèce de lance électrique de feu, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Autant la lance électrique je la trouve cheatée parce qu'elle est trop facile à avoir et elle fait d'énormes dégâts. Mais celle, l'autre là je sais pas ce que c'était mais ça faisait encore plus de dégâts. Ça devait être une lance électrique du chaos, un nom dans ce genre-là. Je sais pas, je connais pas. Bon. En attente donc de notre dernier valeureux adversaire, ou peut-être pas valeureux en fait, je sais pas trop ce qu'il vaut ce mec-là. Peut-être qu'il y a plus personne en fait, hein, je sais pas. On va retourner au début pour voir. Ah ouais, non, il y a plus personne. Ah, dommage. Dommage les amis. Vous auriez peut-être assisté à ça. Voilà. Désolé, non, là j'ai 238 000 âmes, autant pour moi. On va aller les dépenser à Majula et terminer cette vidéo. Hop.
Voilà. Donc oui, non, la magie, ça se contre. Mais quand vous avez deux types en face de vous, il y en a un que c'est un magicien, laissez tomber direct, hein, posez votre manette, vous ferez du mal si vous essayez de combattre. Vous vous ferez énormément de mal. Donc voilà, là on dépasse un petit peu le temps. Ouais, ça va, 1 minute ou 2, je suis pas assez près non plus. Mais donc après, comme ça, je pourrais vite faire les rendus et tout, parce que ça va prendre un temps de fou. Enfin, faire le montage, déjà le rendu, je le ferai demain. Ça sert à rien que je fasse maintenant le rendu, c'est pour en pleine nuit que je me réveille pour uploader la vidéo. Ça va quoi. J'essaie quand même de garder un temps de sommeil équilibré. Voilà, putain, je peux monter de 5 ma mémoire. Excellent! Est-ce que ça me permettrait d'avoir un autre truc de sort? On dirait pas, parce que j'ai toujours autant de tempêtes du chaos déjà. C'est mauvais signe. Ah si! Ah, j'ai 2 trucs! Ah bien! Fort bien! Alors j'avais dit. Oh putain, j'en ai 2. J'avais dit donc. Donc Soleil maudit, c'est l'autre truc. Pour l'instant, je peux pas le mettre. Parce qu'il me faut 3 trucs. Je sais plus ce que c'est le machin que je disais. Ah, c'est chaleur! Chaleur qui nous permet donc. Elle génère une flamme qui revigore ceux qui la touchent. Voilà. Et en troisième sort, puisque j'ai absolument aucune idée de ce que je peux mettre, je vais mettre un petit orage de feu. Ce serait pas dégueulasse. Ah, quoique, peut-être une boule de feu. Putain, il me faudrait la grande boule de feu du chaos, mais je sais pas comment on fait pour l'avoir. Je chercherai sur le net. J'avais cherché. Ah non, remarque, un linceul de flamme. Un linceul de flamme, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. On est plutôt bien. Putain, pour un pyromancien à la con, ça va. Hein. Chaleur, linceul, tempête du chaos, ça va. J'ai des sorts plutôt corrects. Les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette courte vidéo. Je pense qu'elle sera courte. Puisque là, ça fait 1 heure que je tourne. Donc, avec toutes les coupures, j'imagine pas le temps que ça va durer. Mais bon, je fais au mieux. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo de PVP de Dark Souls 2, le playthrough. C'est quoi ce qu'on voit là-bas là? Regardez, là-bas, on voit un truc, c'est quoi? Je vois pas si c'est le château ou si c'est... Je vois pas où est-ce qu'on est là-bas, si c'est une zone à explorer ou pas. Je l'avais jamais fait gaffe avant. Bah, c'est devant cette statue de Bouddha, ou je sais pas trop ce que c'est là-bas. Qu'on va se quitter, allez. Alors franchement, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo de PVP où il n'y avait pas trop eu de victoire, mais bon. Quand même quelques-unes, donc j'ai pas compté. J'ai pas compté combien j'ai fait de victoires et de défaites. Mais je me doute que le nombre de victoires est inférieur au nombre de défaites. Hein. Ça, je pense que oui. Voilà. Allez, je me fais pas d'illusion là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Donc normalement, dès demain, comme d'habitude, pour d'autres aventures, hein, pour à la forteresse oubliée. Et puis d'autres endroits dans Dark Souls 2, ma foi, où je vais encore bien galérer. Allez, salut tout le monde. And don't forget to taste the booyah!